La promotion des échanges commerciaux rime bien avec le développement des infrastructures multimodales. Cette nécessité a été bien présentée lors du forum d'investissement et de commerce tenu à Kigoma en Tanzanie. Ce rendez-vous d'opportunités d'affaires a réuni à Kigoma plusieurs délégations des pays ayant au partage le lac Tanganyika et celles ayant en commun le port de Dar es Salaam comme point zéro présente à cette rencontre. L'Agence de facilitation des transports de transit du corridor a explicité sur sa contribution pour la performance du corridor central. Kigoma a vibré au rythme du rendez-vous d'opportunités d'affaires et de la promotion des échanges commerciaux. Cette ville côtière, située le long du lac Tanganyika en Tanzanie, a accueilli différentes délégations des pays ayant partagé le lac Tanganyika et celles de l'Ouganda et du Rwanda. Ce forum d'investissement et de commerce des pays riverains du lac Tanganyika était une excellente occasion d'échanger sur le transport multimodal, cette plateforme qui permet le regroupement et la distribution du trafic des marchandises dans cette partie du continent africain qui utilise le port de Dar es Salaam. Naombeni sana mzingatie mwelekeo wa serikali ya awamu ya sita ili kwa pamoja tuweze kujenga uchumi wenye manufaa kwa watu wote. Kwa mara nyingine tena niwahimize wananchi kwa ujumla kuwa jinsi uchumi wetu unavyokuwa ndivyo ambavyo fursa za uwekezaji zinavyozidi kuongezeka. Ukuaji wa uchumi unaongeza uwezo na ukubwa wa mahitaji. Kwenu ambao mmeshaingia kwenye uwekezaji na biashara, msichoke kutafuta fursa katika sekta mpya zinazoletwa na maendeleo ya kiuchumi na mabadiliko ya teknolojia. Na nimalizia kusema kuwa kongamano la biashara na maonyesho linalojulikana kama Tanganyika Investment and Business Summit limefunguliwa rasmi na ninawatakia kila laheri katika ushiriki wa kongamano na maonyesho haya. Reconnu pour son assistance aux chargeurs avec un plaidoyer de taille dans la mobilisation des fonds auprès des partenaires au profit du développement des infrastructures et la promotion des échanges commerciaux au sein du corridor central, l'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central, représentée par son secrétaire exécutif, s'est appesantie lors de la présentation sur sa contribution pour la performance du corridor central. Pour faciliter les transports et les commerces. On ne peut pas parler de commerce sans infrastructure. L'infrastructure, c'est comme le véhicule qui conduit le commerce. Et le développement de l'infrastructure à travers ce corridor, c'est très important pour accélérer la croissance Congo-Somaskine. Il y a aussi d'autres points de l'infrastructure comme les routes, aussi les carburants, les aéroports et aussi les opérations efficientes. Avec tout ce qui concerne l'intégration de pays de l'Est africain. Ces échanges ont constitué une excellente base pour la promotion des échanges commerciaux dans ce coin de l'Afrique.